Récemment, un grand journaliste, François-Olivier Gisbert, faisait une description en disant les villes ont été transformées. Toutes ces villes ont été transformées, importantes. Vous pouvez parler de Bordeaux, vous pouvez parler de Toulon, vous pouvez parler de Marseille, vous pouvez parler de Nice, parce que les maires étaient en même temps soit députés, soit sénateurs. Ça permet de faire avancer quantité de dossiers parce que vous êtes en contact au Parlement, en direct, avec les membres du gouvernement. On va faire deux catégories. Vous aurez la catégorie de la noblesse. Elle ira siéger à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et puis vous aurez la plèbe des élus qui s'occuperont des cantines scolaires, des potelets de circulation, de l'expansion économique de leur ville. Bon, voilà, je pense que c'est une mauvaise loi, mais bien entendu, je vais l'appliquer.